Yo, si vous nous prenez en cours, le meilleur du hip-hop international, ok, with a series of business, special delivery today, depuis Paris pour la énième fois à Dakar, ok, elle s'appelle Imani, elle fait de très belles chansons, pour la première fois, c'est une découverte bien sûr dans The Joint TV Show, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos eyes, listen. Live on the number one set, The Joint TV Show, mesdames et messieurs, nouvelle direction, nouvel horizon, we're doing a real big on The Joint TV Show, le meilleur du hip-hop international, Imani, pour la première fois dans The Joint TV Show with a serious business. Comment tu vas? Ça va super. Tranquille. Alors, vite fait, on va pas tarder, on va tout simplement te demander, est-ce que tu peux nous ramener vite fait au début de ta carrière, ce qui a été accompli jusque-là? Il y a eu beaucoup de choses. Au début de ma carrière, c'était à New York. Ensuite, j'ai fait une petite démo, des shows là-bas et je suis rentré à Paris pour essayer de faire ça sérieusement. J'ai demandé à ma sœur d'être mon manager. On a fait plein de scènes avant de rencontrer le producteur actuel, Malik Ndiaye, et il nous a signé. Après, on a travaillé, fait encore plus de scènes. Et l'album est sorti en 2011, Touché pour Broken Heart. Et nous voilà. Depuis, et entre-temps, il y a eu peut-être 300 concerts partout en France et en Europe. Great. Alors, ça fait quoi d'être un artiste acoustique? C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Voilà, donc, à travers le monde de l'acoustique aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler d'abord? Je ne sais pas trop quoi dire sur le monde de l'acoustique. C'est juste des choix de vouloir faire de la musique avec des instruments plus qu'avec des machines, même si on est quand même obligé d'utiliser des machines, quoi qu'il arrive, mais... L'avantage de la musique acoustique, moi je pense, c'est que ça reste intemporel. On peut écouter ça dans 10, 20 ans et on n'a pas l'impression que ça a vieilli. On peut écouter des trucs acoustiques d'il y a 20 ans, 40 ans et ça nous touche pareil. Le problème souvent de la musique électronique, c'est que c'est marqué dans le temps, quoi. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'est d'être intemporel. Quand on sort un album, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Après, on reçoit ce qu'on nous donne. Ça s'est bien passé au départ. On a été très haut dans les ventes très, très vite, tout de suite. Parce qu'on avait tellement construit la fanbase pendant des années que quand l'album il est sorti, enfin, tout le monde n'arrêtait pas de nous dire quand est-ce qu'il sort, que tout le monde l'attendait, en fait. Donc les départs se sont bien passés. Il y a eu des belles surprises. Aujourd'hui, on est... multiples platinum en Pologne, en Grèce, et on ne pensait pas qu'on pourrait toucher ces pays-là. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et tout ça, c'est grâce à quoi? Tout ça, c'est grâce au travail, je pense, de tout le monde, d'une équipe qui est passionnée. Il n'y a pas que l'artiste, il y a le manager, il y a le producteur, il y a tout le monde derrière qui réfléchit sans cesse pour que le produit il marche bien. On a un bon clip. On a un bon produit, puis après il faut aller au charbon et travailler, quoi. Là on est en train d'écrire des chansons qui j'espère seront suffisamment bien pour être sur l'album, quoi. Ok, là Imani de retour à Dakar encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors c'est quoi au fait le but de ta présence cette fois-ci à Dakar? Il y a plusieurs choses. Au départ je suis venue pour une retraite, m'isoler un peu et écrire. Et aussi puisque je suis là, je fais deux concerts. Alors, dans l'album, en fait, dans ta musique en général, quels sont les thèmes les plus abordés, en fait? Qu'est-ce qui te touche, en fait, aujourd'hui? Parce que quand tu vois dans le monde entier aujourd'hui, il y a trop de guerres, il y a la famine, il y a tellement de facteurs aujourd'hui qui dérangent aujourd'hui. Toi, en tant qu'artiste aujourd'hui, est-ce que tu représentes? Quels sont les thèmes les plus abordés de ta musique? C'est l'amour dans la famille, le manque d'amour qui fait qu'on des fois on fait n'importe quoi, l'amour d'une personne disparue, The Shape of a Broken Heart, le titre de l'album, c'est aussi le titre d'une chanson qui parle de l'Afrique et qui dit que le continent africain a la forme d'un cœur brisé si vous y regardez de plus près. Et donc ça couvre plein de choses, ça couvre les enfants qu'on enterre parce que emportés par la maladie ou parce qu'ils sont montés dans un radeau pour aller en Europe et ils se sont noyés, des choses comme ça. Donc j'aborde tous les thèmes universels d'une certaine manière, il n'y a pas plus universel que l'amour, finalement. Donc là présentement, est-ce que je peux dire que la direction de ta carrière n'a pas encore pris forme, je veux dire? La direction de ma carrière, elle a pris forme, elle est en marche, on est dans le train, on avance. Après, c'est la destination qui nous intéresse. Si tu veux, en 18 mois, j'ai fait 300 concerts. Et ça compte pas les promos, les interviews, des choses comme ça. Donc, je suis chez moi peut-être une semaine dans l'année, pas plus. Donc, ça laisse pas beaucoup de temps pour s'investir dans d'autres projets. Les choses, elles vont se calmer un jour. Et j'aurai plus fait le tour du quartier, comme on dit. Et... à ce moment-là, on se reparlera. Ouais. Great. Alors, parmi toutes les scènes que tu as fait,
pour les plus de 300 concerts, t'as dit. Est-ce qu'il y a, quelle est la scène qui t'a marqué le plus? Il y en a beaucoup, mais dernièrement, c'était Varsovie en Pologne, parce que je ne savais pas que l'album avait autant de succès à ce point, qu'il connaissait toutes les paroles par cœur, même les chansons comoriennes, et que Varsovie, c'est très blanc, c'est 2000 blancs qui chantent vos chansons, qui ferment les yeux, et c'était le meilleur concert de toute la tournée, parce qu'on était dans un truc vraiment presque spirituel, quoi. D'accord. Alors, au début de ta carrière, qui sont les artistes qui ont été tes influences? Tracy Chapman, Ben Harper. Moi, j'ai écouté beaucoup de hip-hop dans les années 90. J'écoute de tout parce que moi, je ne viens pas de la musique. Donc, j'étais obligée de faire ma culture moi-même toute seule en ramassant ce que je trouvais dans la rue. Donc, effectivement, ça peut être Nirvana aussi. Je ne discrimine pas. À partir du moment où il y a une bonne voix, une bonne chanson, il y a des chances que je vais aimer. Alors aujourd'hui, parmi tous les artistes que tu as eu à rencontrer, est-ce qu'il y en a avec qui tu aimerais travailler dans le futur ou peut-être pour ton prochain album? J'ai pas de rêve comme ça. J'ai fait un duo avec Fada Freddy des Daraji Family, seulement live pendant mes cigales pour Slow Down. C'était un truc improvisé, c'était magnifique, c'était beau. On n'a pas besoin forcément de l'avoir sur disque. Des fois, la musique, c'est ça. Voilà. On ne sait jamais, on verra. Quand j'aurai le duo de ma vie, je te tiendrai au courant. Alors, y a-t-il une chose que tu veux, que t'aimerais que tout le monde sache sur Imani qu'ils ne savent pas encore? Alors, s'ils ne savent pas, c'est qu'il y a certainement une raison. comme on dit en anglais, what you see is what you get. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. J'essaie d'être le plus sincère possible, le plus authentique possible. J'essaie de ne pas faire trop de chichi, d'être moi-même. Et de chanter avec ce que j'ai, et d'écrire avec ce que j'ai. Et c'est la seule chose qui me motive et c'est ce qui fait que... Enfin, j'essaie de ne pas tricher en tout cas, voilà. Peut-être que les gens ne savent pas ça, mais voilà, ce que je vous présente, c'est ce que je suis. Merci encore. Alors, une dernière question. C'est quoi la chose la plus dangereuse dans l'industrie musicale, en un seul mot? La chose la plus difficile dans le business? La fainéantise. La fainéantise. Et une autre chose, l'ego aussi. Surveiller. Ego. Alors, un dernier mot à tous les téléspectateurs sénégalais qui te suivent en ce moment. Terry Jeff. It breaks my heart cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. Smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Oh.
need from you. No, 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 you'll never know. No, 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 you'll never know. No.